Je suis marié à ma femme Andeline Nyang'o, dont toutes mes références vont à ma femme Andeline Nyang'o. Mon seul enfant est Mary Ena Nyang'o, dont toutes mes références vont à mon enfant Mary Nyang'o. Je souhaite léguer tout ce que j'ai et possède à ma fille Mary Nyang'o. Ma femme Andeline Nyang'o devra s'occuper de ses biens jusqu'à sa majorité. Mais l'opinion de ma fille concernant tous mes biens et mes avoirs devra être prise en compte. Mère, je sais à quel point tu es brillante et intelligente. Tâche de prendre soin de ta belle-mère. Signé Monsieur Daniel Nyang'o. Avez-vous des questions concernant ce testament? Non, monsieur l'avocat. Nous comprenons parfaitement. Dans ce cas, madame, je vais prendre congé de vous. Avant la fin de la journée, tous les documents et les informations vous seront transmises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, look, vous m'avez demandé. Merci beaucoup, Margaret. Je vous en prie. Maman, je serai dans ma chambre. Je dois me reposer. D'accord, je te rejoindrai plus tard. Ah, Andrea, tu n'as pas placé un mot, tu vas bien? Andrea? Ouais, je vais bien. Je vais bien. Je ne sais pas pourquoi mon mari n'a pas... Oh non, ce n'est pas grave. Il a bien fait. Il a fait ce qu'il fallait du testament. Je veux dire, ce qu'il a fait, c'est le meilleur. Je suis totalement heureux et je soutiens entièrement sa volonté. Après tout, je ne suis pas directement parenté à lui. Je suis parenté à lui à travers toi. Donc, ce n'est rien. Tu es mon frère. Et j'ai encore besoin de toi parce que tu es le seul à qui je peux faire confiance. Oui, je suis là. Après tout, le testament ne stipule pas que je dois quitter la maison ou l'entreprise. Et oui, je serai toujours là pour toi ainsi que pour ta charmante petite fille. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. J'apprécie vraiment. Thank you.
Papa? Papa? Oh, Marie. J'attendais justement ça. Tu as maîtrisé l'art de faire ce thé. Merci, papa. Bon travail, merci. Je t'en prie. Oui, maintenant je suis prêt pour tes questions matinales. Ah, ok. Papa, je veux te montrer mon bulletin de notes. Ok. Le voici. Game. Hé, ça alors, c'est bien. Tu t'en rends compte? C'est très bien. Alors, comment tu l'as fait? J'ai juste travaillé dur, c'est tout. Tu vois, je t'ai dit qu'il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Quand tu y mets du tien, c'est très bien. Mes cinq. Allez, c'est vraiment très bien. Mais c'était un peu difficile. Oh, bien sûr. rien de bon ne vient facilement. Tu dois travailler dur. Comme je te le dis toujours, le travail acharné est le seul moyen de réussir. Tu ne peux pas réussir à moins de travailler dur. Et avec détermination, tu iras très loin. Je veux dire, il n'y a pas de raccourci. C'est une habitude parce que les efforts que tu y mets, c'est ce qui m'intéresse vraiment, pas le résultat. Merci, papa. Quand tu dis qu'il n'y a pas de raccourci, ça me rappelle une fille que j'ai vue tricher lors de l'examen. Je l'ai vue copier sur un bout de papier. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien dit, mais après l'examen, je lui ai demandé pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Et elle m'a dit que ses parents la battront si elle ne passe pas. Et qu'il la compare toujours à sa sœur cadette, ce qui la fait se sentir mal. Wow. Cela ne justifie toujours pas le fait qu'elle puisse tricher. Oui, ça ne l'est pas. Je le lui ai dit. Mais, papa, ce n'est pas bien que ses parents la traitent de cette façon. Je veux dire que ce n'est pas bien de comparer quelqu'un avec les autres. Dieu merci, je n'ai pas de frères et de sœurs. Et, papa, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas de frères? Eh bien, disons que... parce que je t'aime tellement. Peut-être que Dieu n'a pas voulu que je partage cet amour avec quelqu'un d'autre. C'est probablement la raison. Je ne pense pas que ce soit ça. Essaies-tu de me cacher quelque chose? Oh, bien. Disons que nous avons essayé, mais ça n'a pas marché. De toute façon, peu importe. Avec une fille telle que toi, Marie, je n'aurais pas besoin de demander plus. Tu es un enfant très intelligent, très brillante, très douée. Je t'aime tel que tu es. Tu nous rends fiers, ma chérie. Bien merci. Sûr, je suis fière d'être ton père, comme je te l'ai dit. Merci, je suis papa. Certain que tu continueras de nous rendre fiers. Merci, papa. Bois ton thé, ça va se refroidir. Ouais, c'est vrai. Je n'aime pas quand c'est froid. Je ne te détruirai jamais, papa. Je promets de te rendre heureux. Est-ce que tout va bien? Eh hey merde, hey, ça ne se voit pas là. C'est la question la plus stupide que j'ai entendue de toute ma vie. Je ne te comprends pas. À
N'as-tu pas entendu ce que l'avocat a lu? Je sais que c'était le testament de Monsieur Daniel, mais je n'ai pas entendu le contenu. Oh bien, je vais te dire. Cet homme stupide, cet homme mort stupide, a tout laissé au nom de sa fille. Ne manque pas de respect à un mort. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Respect? Ah! Hey, je maudis cet homme. Je souhaite qu'il périsse. Sais-tu comment je me sens là? Tu le sais? J'ai travaillé pour cet homme stupide durant toute cette année. Et dans son testament, même pas un simple stylo pour moi. Je pense que si tu en parles à ta sœur, alors elle fera sûrement quelque chose. Alors que vas-tu faire? J'aimerais simplement déterrer son cas. Et toi, s'il te plaît, relax. Relax, calme-toi. Relax, calme-toi. Calme-toi. Respire. Tu ne peux pas comprendre. Que se passe-t-il ici? J'ai entendu du bruit. Madame, je suis désolée, j'ai fait tomber un verre. Vraiment? Oh, Andrea. Oui. Tu vas bien? Je vais bien. Tu vas bien? Oui. Bien. Et toi, Margaret? Oui, madame, je vais bien. Et toi, tout ceci. Ne laisse aucun tessin au sol. Bien sûr, madame. Sois prudent, d'accord? D'accord. Tu vois, je vais tous les tuer. Tu vois pourquoi je t'ai demandé d'être prudent? Vas-y, je vais nettoyer. Tu vas bien? Allez, je suis désolée. Je vais bien. Je vais bien. C'est pas vrai. Petite fille adorée. Comment vas-tu? Je vais bien. Quand ma mère est morte, elle m'a visitée dans mes rêves. Vraiment? Oui. A-t-elle dit au revoir? Oui, mais mon père, non. Peut-être que ça a été difficile pour lui de dire au revoir. Mais nous devons être fortes pour papa. D'accord? Tu es la seule que j'aime maintenant. Vas-tu me quitter? Viens là. Non. Je ne te quitterai jamais. Je serai toujours là pour toi. Tu sais quoi? Je t'aime. D'accord? Garde le pot de fleurs. Donne-le-moi. Je ne te quitterai jamais, d'accord? Ça va aller. Garde ton oreiller et allonge-toi ou viens te coucher avec moi. Non. Donc, tous ces temps, j'ai tant travaillé et souffert pour rien. J'ai travaillé plusieurs heures par jour et je n'ai même pas pu avoir une simple promotion ni une augmentation de salaire. Et tu as tout légué à ton adolescente fille de 15 ans. Et tu t'attends à ce que je me taise. Vous devez plaisanter. Parce que je ne peux pas rester là, les bras croisés et voir ce qui me revient de droit me passer sous le nez. Je dois faire quelque chose. La
prière avant de manger. J'ai oublié. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bénis-nous, ô Dieu, et ce repas que nous nous apprêtons à manger, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, mange. Écoutez, il y a ce plan de développement sur lequel je voudrais vraiment qu'on en discute. T'entends? Oui. Pourquoi ne pas manger d'abord et parler de ça après? Qu'en penses-tu? Je crois que tu as raison. Mm-hmm. Merci, maman. Merci, tonton. Oh, je t'en prie, Mary. Merci. Je t'en prie. Bonsoir. Je suis désolée. Merci beaucoup pour le repas, Margaret. Tu voulais dire quelque chose? Nous n'avons pas prié après le repas. Merci, Seigneur, parce que tu nous as permis d'avoir ce moment de partage. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, que voulais-tu dire? Oui, c'est à propos d'un investissement que je voudrais qu'on en discute. Quel investissement? La crypto-monnaie. C'est l'une des plus grandes opportunités d'investissement au Nigeria et ses environs. Tonton, la crypto-monnaie n'est pas un investissement fiable. Mon père a plusieurs investissements. Je pense que vous pouvez les exploiter. Qu'en penses-tu, maman? Oui, tu as raison. Andrea, nous allons investir dans un business, mais tout sauf ça. Maman, puis-je aller me coucher? Andrea, es-tu sûr que tout ceci ne te dérange pas? Non, je suis un homme, non? Je d'accord. M'en sortirai. Quoi te soucies-tu encore? Tu t'imagines? Je suis venue avec une idée et devine ce que cette sale grosse m'a dit. Elle n'est pas une sale gosse. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que mon idée n'était pas judicieuse et pire encore, elle a traité de folle. Voyons, c'est deux choses différentes. Il n'y a aucune différence. Quelle est la différence? Non, dis-moi, quelle est la différence? Écoute, tu dois vraiment te calmer. Tu n'as pas à me dire de me calmer, non. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. D'accord, c'est compris. Je t'apporte quelque chose pour que tu te relaxes. Non. Alors, qu'est-ce que tu veux? Thank you.
n'as-tu pas pris ton pull? As-tu besoin d'un déjeuner spécial ou quelque chose d'autre? Non, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu en es sûre? Tout est prêt. Ça ira. Viens par là. Prends soin de toi. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ok. Ton sac est prêt. Au revoir. Au revoir. Madame, excusez-moi, voulez-vous que je fasse quelque chose? Non, non, non. Merci, Margaret. D'accord, madame. Je me mets en chemin. J'ai une réunion d'affaires dans les 30 prochaines minutes. Andrea, mais tu n'as pas pris ton petit déjeuner. C'est bon, t'en fais pas. Je prendrai quelque chose en chemin. D'accord. Ok. Prends soin de toi. D'accord, merci. Fille. Elle n'est jamais restée aussi longtemps auparavant, n'est-ce pas? Non, madame. Ça fait déjà des heures et il se fait tard. Je pense que je devrais partir à son école immédiatement. Appelle-moi si elle revient après moi. Bien sûr, madame. Pas de problème, je le ferai. Allô? Bonjour, madame. Nous avons votre fille. Que voulez-vous dire par nous avons votre fille? Que voulez-vous faire de ma fille? Où êtes-vous et d'où appelez-vous? À cette question, madame, vous devez m'écouter attentivement. D'accord. Je vous écoute. D'accord. Ah, vous ne devez pas quitter votre maison jusqu'à nouvel ordre. 2. Vous ne devez pas appeler la police. Et je vous rappellerai pour vous dire ce que vous devez faire pour ne pas mettre la vie de votre fille en péril. Au revoir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Puis-je, au moins, parler avec ma fille, s'il vous plaît. Madame, madame, s'il vous plaît, buvez un peu d'eau. Beaucoup mieux. Merci. Madame, que s'est-il passé? Ma fille a été kidnappée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Andrea, c'est Marie. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien? Marie! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne me parle? Qu'est-il arrivé à ma nièce? Margaret? Elle a été kidnappée. Qu'est-ce que tu dis? Mary? Kidnappée? Comment? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Appeler la police, bien sûr. Non! Non! Tu ne devrais pas. Ils ont dit que nous ne devons pas impliquer la police.
Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, s'il te plaît. Donc, c'est le moins laisser lui parler. Au moins. Au moins, elle est en vie. Mais comment peut-elle aller bien avec ces sauvages? On doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils n'ont encore rien dit. Qui aurait pu faire ça? Écoutez, nous ne pouvons pas juste rester ici et attendre. On doit faire quelque chose. Oui, Andrea. Mais que faisons-nous? Mais qu'allons-nous faire? Marie est juste un enfant. Ils auraient pu m'emmener à la place. Ils m'auraient kidnappé. Pourquoi? C'est juste une mineure. Ce sont eux. Qu'est-ce qu'ils disent? 50 millions dans 48 heures. 50 quoi? Ils sont fous. C'est quoi ces bêtises? Laisse-moi voir. Quoi? Qui est... Jack P. Qui est Jack P? Je ne sais pas. Parce que le numéro enregistré est Jack P. Je ne sais pas. Qui est Jack? Madame, qu'allons-nous donc faire de cette situation? Je ne sais pas. Je m'inquiète pour mon enfant. Je ferai mes recherches. Je ne vais pas. J'arrive. Andrea! Pourquoi? C'est juste un enfant. Qu'est-ce qu'on va faire? La vie de ma fille vaut mille fois mieux que n'importe quelle somme d'argent. Le pire est que je ne peux même pas faire confiance à ces gens pour sa sécurité. Tu penses qu'ils lui feront du mal? Je ne sais pas. Dans ce cas, impliquons la police. Je ne veux pas être la raison pour laquelle ils lui feront du mal ou la blesser. Laissons la nuit passer. Nous irons demain à son école, tu sais, faire certaines recherches, poser des questions. Cherchons à savoir réellement ce qui s'est passé. Je suis aussi instruite à ne pas faire ça. Ah ah! Qui sont ces gens qui ont décidé de nous pourrir la vie ainsi? Passe-moi le numéro. Donne-moi le numéro. Prends-le ici. Thank you.
J'ai fait quoi? As-tu kidnappé ta nièce? C'est quoi cette question stupide? Tu l'as dit toi-même que tu feras quelque chose. Est-ce que c'est ça? Non! Comment est-ce que je peux kidnapper la fille à ma sœur? Tu transpires. Tu respires fort. T'arrives même pas à contrôler le contact visuel. C'est l'un des comportements d'une personne qui ment. Tu es quoi maintenant? Un psychologue ou quelque chose du genre? Il y a tellement de choses que tu ne sais pas sur moi. Alors que fais-tu ici comme simple servante? Pourquoi n'utilises-tu pas ton talent pour faire quelque chose de bien pour toi-même, pour être une meilleure personne? Tu hésites. Une des tactiques de quelqu'un qui ment. Maintenant, dis-moi la vérité. Est-ce que tu l'as fait? Tu sais quoi? Tout est entièrement sous contrôle. Tu as kidnappé ta nièce et tu me dis que tu as tout sous contrôle? Je t'ai dit que je sais ce que je fais. Tu permets à ta sœur de subir le traumatisme du kidnapping de sa fille qu'elle aime tant? Et tu me dis que tu sais ce que tu fais? C'est juste pour un moment. Es-tu fou ou quoi? Tu l'as gardée dans la maison, qu'en est-il si sa mère y va? Elle n'ira pas là-bas. Et si elle le fait? T'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Et ils l'ont appelé par message, comment l'as-tu fait? Eh bien, j'ai passé l'appel via un petit téléphone. Et j'ai fait un enregistrement vocal que j'ai fait jouer quand j'ai passé l'appel. Et les SMS? Je les avais déjà saisis. Alors j'avais juste à les utiliser. Oh, Dieu, mon Dieu. Ah, c'est bon, Margaret, allez, calme-toi. Observe-moi juste en train de faire mon truc. J'ai tout sous contrôle. Écoute, quand on aura l'argent, tout ira bien pour nous. Ok? Comment l'as-tu fait entrer? La porte de derrière? Oui. Tu es incroyable. Peut-être que oui. Ne vois-tu pas que je suis celui qui est maltraité ici? Celui qui est pris pour un fou? Non. Ta stupide manière de penser est ton problème. Ils te nourrissent, t'habillent, t'hébègent. Tu as toutes les voitures à ta disposition. Ils ne te doivent rien, tu n'es qu'un ridicule. Comment oses-tu me parler de cette façon? Tu m'as chifflé. Quoi ensuite? Me kidnapper? C'est ça? Allons, Margaret, s'il te plaît, je veux que tu comprennes. Je ne suis pas avec toi dans ce coup. Tu veux te retirer? Tu te dénonceras à toi-même. Parce que si je vais en tôle, toi aussi tu vas en tôle. Nous sommes dans ce bateau tous les deux. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? Je veux juste que tu te détendes et que tu me soutiennes. Et tout ira bien. Rien n'ira. Nous allons nous faire prendre. La police va nous arrêter. Oui, et on ira en prison. C'est ce que tu veux? Écoute, Margaret, reste assise et calme-toi. Ok? Crois-moi, on sera riches, d'accord? Tout ira bien. Merci Seigneur pour le don de vie aujourd'hui. Merci du miracle de se coucher et de se réveiller, ô Seigneur. Ô Père, je remets ma fille, Marie, entre tes mains, ô Dieu Tout-Puissant, garde et protège. Allô? Le plan a changé.
Envoyez l'argent plus tard dans les 48 heures qui suivent. S'il vous plaît, puis-je parler à ma fille? S'il vous plaît, puis-je au moins parler à ma fille? Non, ce n'est pas nécessaire. Viennent juste de m'appeler. Ils ont fait quoi? Ils viennent de m'appeler. Ils viennent juste de m'appeler. Que je dois envoyer l'argent. Mais, quelque chose n'allait pas. Ils ne m'ont pas laissé parler à ma fille. Donc maintenant, je ne sais même pas si elle va bien, si elle est malade, si elle est en vie ou elle est morte. Peut-être que ces gens veulent vraiment de l'argent. Peut-être que nous devons juste faire ce qu'ils ont dit. Oui, quant à Mary, je suis sûr qu'elle va bien. Andrea, je pense que nous devons impliquer la police. Oui. Tu veux appeler la police? C'est la meilleure chose à faire maintenant. Impliquons la police. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Comme tu l'as si bien dit au départ. Ces gens risquent de faire quelque chose de méchant s'ils découvrent qu'on appelait la police. Non, Andrea, je ne pense pas qu'ils le découvriront. Ils ne le découvriront pas. Ils ont toujours une issue. Et ces gens ont toujours un moyen de découvrir ce genre de choses. Comment le sais-tu? Dans les films. Oui, tu sais, j'ai regardé ce genre de scène plusieurs fois dans les films. Tu sais... Ces gens ont toujours cette manière de découvrir ce qui est arrivé, et ils réussissent leur coup. Je t'en prie, ne jouons pas avec la vie de cette petite fille. Mais tu voulais appeler la police tôt. Oui, c'était avant que tu ne me rappelles à l'ordre. J'aurais pu commettre une terrible erreur. Andrea, je sais que tu ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose à Marie. Pas du tout. Mais... Nous ne pouvons pas gérer cette situation seule. Je pense que la meilleure chose à faire pour nous est d'impliquer la police. S'il te plaît. Ça risque d'être une grave erreur. Nous allons risquer la vie de cette petite fille. Grande sœur, je te le déconseille. Que vas-tu faire à ce sujet? Je ne sais pas. Que veux-tu dire par tu ne sais pas? Tu as dit que tu avais tout sous contrôle. Je vais te taire et me laisser réfléchir. Tu dois la libérer. Tu dois la sortir de là. Non. Pourquoi tu dis non? Nous devons obtenir l'argent. Alors ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'être courageux. Es-tu sûr qu'ils ne le mettront pas sur les réseaux sociaux et la télé? Ça sera mieux qu'ils posent juste des questions. Non. Je leur ai dit que ça devrait être un secret. Le détective a juste demandé à venir pour en savoir plus sur la situation. Ok. Tout ce que je souhaite, c'est que rien de mal n'arrive à ma nièce. C'est ce que je souhaite vraiment. Tu sais, ces gens peuvent parfois être sans pitié. Mon Dieu, la protégera. Je ne peux pas supporter de la perdre. Non.
ceci n'arriverait pas. Si mon mari était encore en vie. Grande sœur, je t'en prie, essaie de te calmer. Je suis sûr, je suis très sûr et certain qu'on va la retrouver. J'en suis sûr. Essaie de te calmer, s'il te plaît. J'espère qu'elle se porte bien et qu'on la retrouvera. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonjour, inspecteur. Je suis l'inspecteur Jude. Je suis ici pour en savoir plus sur le kidnapping. Soyez le bienvenu. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue, inspecteur. Merci. Avez-vous pu la chercher aux alentours? Pas encore. Je peux vous rassurer que je la ramènerai à la maison. Quant au couple, il faudra attendre la justice. D'accord. Merci beaucoup. Je n'ai que 24 heures. Alors nous devons faire quelque chose immédiatement. Oui, madame. C'est pour ça que je suis là. Nous devons en savoir plus sur la situation. Tout d'abord, j'aimerais jeter un coup d'œil dans la chambre d'amis. D'accord. Maintenant? Vas-y, montre-lui. D'accord. Je vous en prie. Merci. Madame, avez-vous besoin non. de quelque chose? Tu peux les rejoindre et voir ce qui se passe là-bas. D'accord. Est-ce que vous cherchez quelque chose? Non. Désolé, mais j'aimerais poser quelques questions. Ok. Allez-y. Je vous écoute. Nous devons aller au salon et ça doit être en privé. Écoutez, dans cette maison, nous n'avons pas de secret. Nous faisons tout ensemble. Monsieur Andrea, j'insiste, ça doit être en privé. Merci beaucoup. D'accord. Je suis Madame Enderlin Nanyao. Ok, quel est ton lien de parenté avec la fille? C'est ma belle-fille. Ok, mais pourquoi avez-vous tardé à impliquer la police? Je voulais bien, mais j'avais peur de leur ruse. Je n'ai pas voulu désobéir. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je veux retrouver ma fille. Et punir quiconque est impliqué dans cette histoire. Alors j'ai décidé d'impliquer la police. Vous avez fait le bon choix. Merci. Dans une situation comme celle-ci, ils ne souhaitent pas que vous impliquiez la police parce qu'ils savent que ce sera dû pour eux. Alors, s'il vous plaît, madame, la prochaine fois, ne cédez plus. Je comprends. Mais qu'est-ce qui s'est passé récemment? Et la façon dont le kidnapping s'est produit? Nous avons des raisons de croire que le lien se trouve à l'intérieur. Quelqu'un de très proche. Quoi? On n'en est pas totalement sûr. Mais avez-vous une idée de quelqu'un qui... serait capable de faire une telle chose? Non. Je ne pense pas qu'un membre de la famille puisse faire ça. Ok. De toute façon, merci pour la collaboration. Je vous en prie. Thank you.
Vous travaillez pour Femista Daniel. Ai-je raison? C'est vrai. Alors dites-moi, êtes-vous satisfait de votre salaire? Ou alors c'est insuffisant? Bien sûr que je suis satisfait. Je suis très bien payé. Et à vrai dire, je reçois un salaire bien plus grand que le vôtre. Je veux dire, je suis satisfait. Ok. Alors dites-moi, monsieur Andrea, vous étiez le seul absent lors du kidnapping. Où exactement étiez-vous? Eh bien, je ne sais pas exactement où est-ce que je me trouvais à l'heure du kidnapping, parce que vous savez, je ne sais pas exactement l'heure à laquelle elle a été kidnappée. Tout ce que je sais, c'est qu'après le boulot, je suis rentré directement à la maison. Quand j'ai eu l'information. Attendez une minute, pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? Est-ce que c'est moi le suspect ici? Non, je pose juste une question. Désolé pour l'incompréhension. Eh bien, c'est d'accord, parce que tout comme vous, je veux m'assurer que les gens qui ont commis cet acte ignoble soient arrêtés, appréhendés et traduits en justice et qu'ils paient pour tous leurs crimes. Croyez-moi, ils payeront. Je l'espère bien. Alors dites-moi, avez-vous quelqu'un en pensée qui serait capable de faire un tel acte? Eh bien, je ne peux pas vous dire avec certitude que j'ai quelqu'un à l'esprit. Tout ce que je sais, c'est que M. Daniel avait beaucoup de concurrents, d'accord? Je ne peux pas exactement dire. Eh bien, je ne peux pas exactement dire, vous savez, que M. A ou M. B l'ait fait ou pas. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Appelez-moi la servante. La servante? Oui. Vous voulez aussi lui parler? Elle n'est pas pertinente, ce n'est qu'une servante. En plus, ça ne fait pas longtemps qu'elle travaille avec nous, donc... Monsieur Andrea, merci pour votre aide, mais s'il vous plaît, appelez-moi la servante. Vous voulez lui parler? Oui. Bien, ok. Je vais l'appeler. Pouvez-vous vous asseoir? S'il vous plaît, prenez place. Oh, désolé, j'étais juste inquiet. Désolé, je vais partir maintenant. Merci. Ouais. Alors, quel est votre nom déjà? Désolé, je vous ai posé une question. Quel est votre nom? Pou! Tu as vraiment fait du bon travail. C'est mon travail. Dis-moi, combien a-t-il pris? Absolument tout. Alors, tu l'as fait? Bien sûr, c'est évident. Il ne serait pas aussi sûr s'il était à l'intérieur. Devine où cet idiot l'a caché. Où? Dans le bureau. Son frère a un bureau privé dans cette maison. Quoi? Cette même maison? Bien sûr. Il l'a ligoté, il a bandé ses yeux et sa bouche avec. Eh bien, ce monsieur doit être bon. Je dirais que ce mec est vraiment trop stupide. Et la belle-mère? A-t-il quelque chose à y voir? Non. Ils n'ont aucun problème. Alors, c'est quoi ce comportement? Eh bien, c'est juste une histoire d'héritage. Il se lamente sur le fait que son frère ne lui a rien légué. Après ce coup, il va prendre la navette. Tu as vraiment fait du bon boulot. Mais tu dois te rassurer que ton identité ne soit pas dévoilée. C'est mon travail. Merci. J'y pense. Nous perdons du temps. Nous devons la sortir de cet endroit. Ouais. Je transmettrai l'information à l'équipe. Et je reviendrai demain. Avant ça, tu dois rester discrète. Ah, pas de problème, messieurs. Ok, je retourne au boulot.
Merci pour votre précieuse collaboration. Merci beaucoup, inspecteur. J'espère que cela a été utile. Oui, madame, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ok. Si vous avez besoin de mon aide, vous pouvez m'appeler à tout moment. Ok, merci pour votre soutien dans tous les cas. Je vous en prie. Alors, que faisons-nous donc? L'enquête est toujours en cours. Mon équipe et moi veillerons à attraper les responsables et ramènerons l'ordre. Mais je serai de retour demain matin. Oh, merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Je crois que je vais prendre congé. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bonne journée. C'est d'accord, Margaret. Alors, Andrea, de quoi avez-vous discuté et qu'a-t-il demandé? Alors, j'espère que t'as pas trop dit là à l'intérieur. Non, je ne l'ai pas fait. Je n'en suis pas trop sûr. Voyons, tu as dit que j'avais une cervelle, pas vrai? Bien sûr que je l'ai dit, et t'es si intelligente. Ouais. Et... Écoute, ne t'inquiète pas. Nous allons gagner tout ceci ensemble. Je peux déjà le voir. Je sais, mais tu dois vraiment faire attention à toi. Honnêtement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oh oui, surtout que la police ne se doute absolument de rien. Oui, et juste parce que je lui ai dit que M. Daniel avait beaucoup de concurrents, et je suis très sûr que c'est sur ça qu'il s'est penché. Parfois, ces policiers peuvent être très stupides. Eh bien, tu dois partir, laisse-moi finir mon boulot. Relax, belle dame, je suis juste très excitée. Comment peux-tu être excitée alors que tu es encore au milieu de l'océan? Parce que je suis un bon nageur. Oh oui. Jusque-là, tu n'as ni gilet de sauvetage, ni veste de flottaison, ni bateau. À coup sûr, tu vas couler. Je pense qu'il faut que je te donne une pause. Oui, t'es vraiment très stressée. Un autre message d'eux. Qu'est-ce qu'ils disent? Que j'ai juste deux mains pour verser l'argent. Et que vas-tu faire? Andrea, je pense que je devrais verser cet argent demain. La police pourrait être lente. Et je ne veux pas que quelque chose arrive à ma fille. J'ai vraiment peur. J'ai peur. Grande sœur, ça va aller. Je comprends que c'est une période vraiment très difficile. Mais crois-moi, nous allons en sortir victorieux. Je suis avec toi, d'accord?
Ça va aller. Qu'est-ce que tu fais? Va faire tes valises, nous partons. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Oh, elle va payer demain. Donc, nous partirons après demain. Alors, pourquoi fais-tu tout ça? Parce que je suis excité. Et tu devrais l'être. Parce que très bientôt, tu seras avec un millionnaire. Qu'est-ce qui te fait penser que je veux venir avec toi? Parce que tu m'aimes. N'est-ce pas le cas? Allez, viens par là. Je t'aime. Et je voudrais voir ton visage. Je dois partir maintenant. Je suis vraiment épuisée. Allez. Qui est là? Oui, entrez. Oh, inspecteur. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour nous aujourd'hui. Probablement à la fin de la journée. D'accord, c'est bien. Permettez que j'appelle ma sœur. S'il vous plaît, faites-le. D'accord. Je vous en prie, asseyez-vous. Inspecteur, nous avons pris une décision en famille. D'accord. Oui, nous avons décidé de céder enfin à la demande des ravisseurs. Nous ne voulons pas que quelque chose de mal arrive à ma nièce, donc... nous avons apprécié tous vos efforts, mais nous avons décidé de prendre congé de vous. Madame Anderlin, êtes-vous d'accord avec ceci? Oui. Ils ne m'ont donné qu'aujourd'hui pour verser l'argent. Et ils ont aussi dit qu'ils feraient du mal à ma fille si je ne le faisais pas. Donc, je dois le faire, inspecteur. Comment vous ont-ils contacté? Ils l'ont fait par SMS. Ok. Bien, j'aimerais jeter un coup d'œil à l'ancien bureau de M. Daniel, s'il vous plaît. Pourquoi faire? Vous savez, hier, vous avez fait mention des concurrents d'affaires. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'en fouillant le bureau, on trouvera quelque chose. Je suis désolé, inspecteur, mais nous ne pouvons pas faire ça. Peut-être que vous devriez venir un autre jour. Pour l'instant, notre objectif est de savoir comment faire revenir ma nièce en un seul morceau. Et saine et sauve. Madame Anderlin, s'il vous plaît, puis-je avoir la permission de fouiller? Non, vous n'avez pas sa permission. Vous êtes sourd? Vous n'entendez pas ou quoi? Andrea, c'est bon. Ce n'est pas grave. Vous pouvez aller fouiller le bureau. Conduis-le là-bas. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Ce monsieur doit aller sur le terrain, chercher ses ravisseurs, les localiser, les appréhender, les arrêter et ramener enfin ta fille à la maison. Qu'est-ce qu'il a fouillé les salons, les chambres, les bureaux, les cuisines et autres? Mais ça va. Il n'y a vraiment rien de mal à ça. Comme je l'ai dit, conduis-le au bureau pour qu'il fouille et nous allons poursuivre par là. Pas de souci. Merci. Inspecteur, vous voyez? Ouvrez la porte, s'il vous plaît.
Oui, je le ferai. Mais écoutez, je voudrais juste suggérer quelque chose. Vous avez l'air intelligent. Et je crois que vous êtes plus intelligent que ça. À mon avis, ce n'est pas le moment de commencer à perdre le temps à fouiller les chambres, les bureaux. S'il vous plaît, pouvez-vous ouvrir la porte? Vous n'avez pas l'air de comprendre. C'est de ma nièce dont nous sommes en train de parler. Et c'est moi qui endure la plus grosse peine ici. La meilleure chose à faire maintenant, c'est d'aller sur le terrain. Je veux dire, se mettre à la recherche de ces criminels et de pouvoir... Je pense que le criminel est ici. Je vous demande une dernière fois, ouvrez la porte. Ah. Ok. Je voulais juste aider, parce que vous avez l'air stressé. Voyez-vous, comme je le disais, nous n'avons vraiment pas le temps pour ça maintenant. Quoi? Pourquoi regardez-vous comme s'il y a quelque chose que vous espériez voir? Où est-elle? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne faites pas comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Bien sûr que je n'ai aucune idée de quoi est-ce que vous parlez. J'ai dit que c'était une perte de temps de fouiller partout. Mais maintenant, c'est moi que vous voyez comme le criminel. Vous avez dit que vous voulez vérifier des documents. Ok, les voilà vos documents. Allez-y, cherchez. Fouillez. Je ne sais même pas pourquoi on vous a pris. On aurait dû prendre quelqu'un qui est plus intelligent, qui est formé. Hey! Ma fille, hein? Que t'ont-ils fait? Hein? Que t'ont-ils fait? Hein? Où étais-tu kidnappé? Hein? Est-ce qu'ils t'ont donné quelque chose à manger? Tu ne mangeais pas. Oh! Hein? Andrea! Hein? Merci, Dieu, merci. Mon Dieu. Remercie Dieu avec moi. Remercie hey, Dieu avec moi. Nous avons convenu que je trouverai la petite dans le bureau. Eh bien, j'ai décidé de faire à ma manière. Hein? Pourquoi que je n'ai pas entendu, vous ne priez pas? Donc, comme ça, c'était vous tout ce temps? Ah! D'accord, d'accord, qu'ont-ils fait? Que se passe-t-il? Maman? Demande-leur toi-même. Tonton André m'a kidnappé. Quoi? C'est quoi cette plaisanterie? Il m'a attaché, m'a bondi les yeux et séquestré dans le bureau de papa. Attends une minute, c'est ce qu'ils t'ont demandé de dire? Mary, alors tu crois à la parole d'une simple servante, à la mienne? T'ont-ils contraint à dire ça? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Je suis l'inspecteur Jude. Uh-huh. Je travaille avec la DSS. Okay. Et alors? Voici ma collègue, l'inspecteur Margaret. Margaret? Madame. Tu travailles avec la police? Oui, madame, c'est exact. Je travaille avec la direction du service secret. Jésus, que se passe-t-il? Je ne comprends rien de tout ceci. Quelqu'un peut-il m'expliquer? Marie, s'il te plaît, parle. Je ne comprends pas. Ce qui se passe. Madame, ce n'est pas tout. Je ne comprends pas. Daniel! Papa! Tu es de retour! Ma chérie. Daniel, je ne comprends rien de tout ceci. Que quelqu'un m'explique avant que je ne perde la tête. Mon amour. Mais que se passe-t-il ici? Je veux comprendre. Que quelqu'un m'explique. Je suis très heureux de vous voir. Que quelqu'un me dise. Je sais que vous êtes tous... Daniel! Eh bien, je sais que vous êtes tous confus. Alors, je vais mettre les choses au clair. De cela à 3 mois, M. Daniel m'a fait appel. Es-tu sûr que tu ne veux pas qu'on s'asseye quelque part pour un verre? Non, 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 merci, ça ira. Tu as dit avoir quelque chose de très important à me dire. Ouais. Tu sais, quand un homme commence à prendre de l'âge, il y a certaines choses qu'il doit mettre en place. Je désire écrire mon testament. Mais le souci que j'ai, c'est que j'ai une inquiétude envers les gens autour de moi. Le souci de leur faire confiance. La seule personne à qui je peux faire confiance maintenant, c'est ma fille, Mary. Donc, je veux suggérer un plan. Pour voir si je peux aussi faire confiance à ma femme et... avant de rédiger mon testament. Je comprends. Ouais.
J'ai besoin de ton aide. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi j'ai employé l'inspecteur, Margaret. Bienvenue une fois de plus. Merci, monsieur. Mon avocat m'a dit que vous travaillez pour la DSS et que vous serez capable de faire le travail. Oui, monsieur. Nous avons reçu la note. Et nous avons été envoyés pour faire le boulot. Je suis l'inspecteur Jude. Et elle, c'est ma collègue, l'inspectrice Margaret. D'accord. Très bien. Alors, quel est votre plan? Ok, monsieur. Maintenant, pour parler de décret de confiance, et lever toute forme de soupçon, même après votre demande, je propose qu'on emploie Margaret comme ménagère. Immédiatement. Elle sera à nos yeux. Et nous commencerons par là. Chez moi? Oui, monsieur. En tant que ménagère ou... deuxième fois. En tant que ménagère. D'accord, aucun souci pour moi. C'est d'accord. Monsieur, sur qui exactement allons-nous mener l'enquête? Vous ne lui avez pas dit. De toute façon, ma femme et mon beau-frère... Je vous donnerai toutes les informations dont vous aurez besoin pour faire votre travail. D'accord, aucun problème. D'accord, et je vous ferai un virement. D'accord. Comme nous avons convenu, pour votre paiement. Ok. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il y aurait un mec? Je ne savais pas. Ne fais plus ça. Ok, et si j'avais su, quoi de Allez. Mal? Vous devriez savoir comment tout cela pourrait se terminer. Et je ne le veux pas. Ok. Tu es le meilleur agent que nous ayons. C'est pourquoi j'ai dit à l'équipe de te choisir pour le travail. Non. Je ne suis pas l'une des meilleures. Je suis la meilleure. Dépêchons-nous, je veux prendre un verre. Peu importe. Pourquoi tu ne le prouves pas? Tout ceci est horriblement drôle. Que se passe-t-il laissé? Tu as fait ça? Andrea, je suis tellement déçu de toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour que ta vie soit meilleure, tu as eu la témérité et l'audace de kidnapper ma propre fille. Désolé, monsieur, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Oh, vraiment? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Andrea, tu as vraiment fait tout ceci? Tu as fait ça? Donc, pendant tout ce temps, tout ce que tu as fait, c'est de me mentir et me décevoir. Hein? Je t'ai fait confiance en tant que frère. Et je t'ai fait confiance en tout. Regarde. Madame Niao, aurez-vous la gentillesse de composer le numéro qui vous a envoyé le message? Je crois que Monsieur Andrea a oublié de l'éteindre. Andrea. Andrea. Je suis déçu de toi. Tu as fait tout ça. Tu as fait tout ça. Tout ça. Pourquoi? Tout ce que tu m'as dit n'était que mensonge et tromperie. Je t'ai fait confiance. Hey. Okay, Andrea. Ok, s'il te plaît. Arrête-toi là. Monsieur Andrea, cet endroit est rempli des agents de la DSS et de la police y compris. S'il vous plaît, déposez cette arme. La ferme. Dépose l'arme, Andrea. Andrea. Donc, tu me trompais tout ce temps? Tu m'as menti depuis tout ce temps? Je te fais ce que tu as l'habitude de faire aux autres. S'il vous plaît, arrêtez ça. Tu ne peux pas, même si tu le voulais vraiment. Comment oses-tu? Soyez sans crainte, j'ai récupéré les balles du pistolet. Donc c'est pratiquement inutile. Alors, Monsieur Andrea, vous êtes en état d'arrestation et vous avez le droit de garder le silence.
Hey! Je pense que vous connaissez le reste. Bébé. S'il vous plaît, écoutez. Avance. Avance. Faites-le sortir! Je reviendrai pour toi. Merci. Espèce de... Merci. Criminel. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.